le monde, c'est Lorraine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre unboxing de la compagnie Diamond Art Club. Donc ça, c'est un diamond painting que j'avais commandé le 25 juillet. Il a été expédié le 21 août et je l'ai reçu le 31 août. Je suis en retard dans mes vidéos de unboxing, donc en fait, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ça. Mais je vais essayer de publier mes unboxing le lundi, le mercredi, le vendredi, parce que j'en ai beaucoup en fait. J'ai encore 4 boîtes de Diamond Art Club et j'en ai d'autres qui s'en viennent. Donc ça c'est mon plan pour les vidéos à venir. Cette image, donc je vais vous dire un peu plus sur cette image. Donc le nom c'est Mona, c'est une image de Hannah Lynn. Et c'est un 41 par 61 avec des diamants ronds. Et ça, c'est l'image. Je l'ai trouvée belle. J'ai aimé les couleurs, en fait, avec tous ces rouges et tous ces oranges. Je pense qu'il va y avoir un peu de rose aussi. Donc ça, c'est l'image. Et sur la boîte, vous avez aussi encore donc, le nom. Mona de Hannah Lynn avec des diamants ronds et c'est un 61 par 41. Donc je vais l'ouvrir. Alors ça vient toujours dans la même boîte avec des instructions en arrière. Là, je veux dire, je ne vais pas le répéter dans chaque vidéo parce qu'après ça va être redondant. Alors, c'est venu dans un sac, on a les étiquettes et... Ah, c'est bien. Et ils nous ont donné aussi la petite étiquette, comme j'avais montré dans la vidéo précédente, ou une des vidéos précédentes de Diamond Art Club. Et comme je l'ai mentionné, cette étiquette, je la mets, en fait, ici sur la boîte, parce que moi, mes boîtes, je les mets une au-dessus des autres, et du coup, ben, je ne vois pas la photo qu'il y a là. Donc, elle va aller juste là. Vous avez aussi votre fiche étiquette avec le nom de l'image, on vous dit qu'il y a des AB aussi et on vous dit que c'est une 61 par 41. Voici les symboles. Alors dans celle-là, il y a 3 AB parce que vous avez 3 chiffres qui sont en dessous de 150. Vous avez le 132 qui va être un orange, le 134 qui est un vert et le 141 c'est toujours un blanc. Et après vous avez ça comme symbole. Vous avez un mélange de chiffres. De lettres, ouais, chiffres, lettres et petits dessins. Il y a un total de, la caméra, elle... voilà, il y a un total de, 30... de 33 couleurs dans celle-là. Alors, ça vient dans ces sacs qui peuvent s'ouvrir d'un côté. Ah, ils ont changé les diamants en fait. Regardez comme c'est venu dans ce sac avec des lignes bleues. C'est la première fois que je reçois des diamants comme ça. Donc ça, ce sont les couleurs. On va les regarder tout à l'heure. Mais je ne vais pas le déballer en fait. On va juste l'ouvrir comme j'ai fait pour l'autre. Ça, ce sont vos instructions. Et il y a un petit code en fait qu'on vous donne là. Pour les commandes que vous souhaitez placer. Alors, la toile. Je vais la rouler dans le sens opposé pour l'aplatir. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça parce que normalement, ça, en intermédiaire de quelques minutes, ça s'aplatit. Ah mince, j'ai oublié de... Ils n'ont pas donné de toolkit dans celui-là. Attendez. Ah oui, il est là. Il est au fond de la boîte en fait. Il était coincé au fond de la boîte, excusez-moi mon Dieu. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ok, donc on vous donne, encore une fois, normalement on vous donne deux cires en forme de cœur. Ah oui, il y en a une là, des petits sachets refermables, votre stylet avec l'embout pour mettre un diamant et le plateau. Il n'y a pas d'embout pour mettre plusieurs diamants, ça fait deux kits que je reçois là qui n'en ont pas. Donc ça, c'est le toolkit et l'image. La voilà. Oh là là, c'est beau. Elle est trop belle. Ah, et c'est bien.
On la voit dans la caméra au complet, je pense. Presque au complet. Ouais. Je vais pousser ça. Donc, alors, vous avez toujours le Do What Makes You Sparkle de Diamond Art Club en haut. Vous avez toujours une légende sur le côté gauche, une légende sur le côté droit, ici. Et en bas à gauche, vous avez la petite image et ça vous dit que ce sont des diamants ronds avec le R qui est là. Qu'il y a des AB, le nom c'est Mona, on vous donne la taille et on vous dit que c'est un Hanalen. Alors, les symboles, vous les avez encore là, comme je l'ai dit, et je pense que même sur la toile, ils sont bien lisibles. Ouais. Ils sont bien et j'en vois pas deux qui se ressemblent en fait. Non. Non, je ne devrais pas avoir de problème avec celle-là. Au niveau de la qualité des symboles sur la toile, alors là on est dans la peau en fait. Je pense qu'on est dans son bras. Mais comme vous voyez, c'est très net. Il n'y a pas de problème pour les lire. Là, on est dans son œil, dans ses cheveux. Ouais, c'est bien. Alors, au niveau de... Je vais prendre un stylo. Au niveau des blocs de couleurs, en fait, dans ce diamond painting, donc vous avez beaucoup de mêmes couleurs dans le visage qui est là. Et du noir ici, mais tout le reste, c'est des changements de couleurs en fait. Hein. Ouais, c'est des changements de couleurs. Alors, les couleurs AB, on a le numéro 1 qui est le 132 et ça va être un orange. Et il est dans ses cheveux, je vois. Donc, il est tout là, là. Il y en a là aussi, il y en a là. Ouais, donc c'est principalement dans ses cheveux. On dirait qu'il y en a un petit peu ici aussi. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça, sur la photo. On dirait des arbres. Attendez, laissez-moi voir. Ouais, c'est des arbres. Un peu là. Le numéro 2, c'est un vert. Et c'est le numéro 134. Il y en a encore un petit peu dans ses cheveux, ici. Ah, il y en a dans ses yeux, en fait, du 2. Il y en a encore un petit peu dans ses cheveux, ici, et un peu ici aussi. Et dans le gazon, là, dans la pelouse qui est là, là, vous en avez. Et le numéro 3, qui est le 141, c'est un blanc. Vous en avez aussi dans ses yeux. Et j'ai l'impression que c'est tout pour le numéro 3. Ouais, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a un petit peu dans le cœur, mais c'est vraiment minime. Donc ça, c'est l'image. Moi, je l'adore. J'aime bien toutes ces couleurs là. J'aime bien quand c'est bien coloré. Les diamond paintings où il n'y a pas de couleur ou que c'est que des gris ou des marrons, ça m'intéresse pas trop en fait. Alors, les diamants, c'est dans un sac comme ça. Je vais retourner la toile et prendre ma fiche inventaire pour les AB encore. Donc on vous donne le numéro de la toile qu'ils ont assigné en fait, et le nom, donc ça c'est bien. Et comme je vous dis, ça c'est nouveau pour moi, ça c'est ça comme ça là, avec les lignes bleues dessus. Donc ça, ce sont les couleurs. Je vais l'ouvrir pour vous montrer les AB. Mais je ne vais pas faire l'inventaire. Parce qu'avec Diamond Art Club, il y a généralement pas de problème. Alors, le numéro 1, c'est l'orange. Et il est là.
On le voit le dessus là qui est un peu plus brillant. Le numéro 2, c'est un verre. J'essaie de le trouver. Ah, il est là. Il est juste là. Oups. On voit aussi sur le dessus que c'est plus brillant sur celui-là. Et le numéro 3, c'est le blanc. Le blanc, il est... Alors, le blanc, c'est vraiment minime hein, sur la toile. Donc, je ne sais même pas si je vais arriver à le trouver, en fait. Ah, il est là. Il y en a très très peu. Et vous voyez bien là en fait le dessus qui est AB. Donc voilà. Voilà les trois AB et l'éventail de couleurs, on le voit là en fait. Il y a des roses pâles, des rouges rosés, des couleurs plus peau comme celui-là. Des beaux rouges là aussi. Je vois que la caméra, ces deux rouges, elle aimait vraiment vif en fait, mais ils sont pas si vifs que ça. En vrai. Donc voilà les couleurs. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve à bientôt. Bye!